Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. L'Évangile du jour nous rappelle l'importance de bien bâtir notre maison, c'est-à-dire notre vie, de la bâtir sur le roc de la parole de Dieu, sur le roc de la prière et des bonnes œuvres. Nous sommes interpellés à passer de la parole aux actes, à ne pas simplement nous contenter de dire Seigneur, Seigneur, mais à faire la volonté de notre Père qui est aux cieux. À l'exemple de notre Seigneur Jésus qui toute sa vie s'est fait obéissant à la volonté de son Père. Ainsi, nous ne risquons pas de tomber au jour de l'épreuve et de la tentation. Chers amis, je vous rappelle que vous pouvez trouver les textes de nos prières du soir dans la description, juste en dessous de la fenêtre de la vidéo. En ce temps de l'Avent, réjouissons-nous car le Seigneur est proche. Bonne prière. Viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. On n'entend pas leur voix.
symphonie des cieux retentit partout l'univers et jusqu'aux extrémités du monde leur message. C'est là qu'il a planté la tente du soleil qui sent comme le jeune hibou de la chambre nuptiale. Et bondissant joyeux et plein de force, il s'en va parcourir sa route. À l'orient du ciel, il surgit et s'élance, et sa course embrasse jusqu'à l'autre limite, et rien ne se peut dérober à sa chaleur. La parole du Seigneur est parfaite, elle fait revivre mon âme. L'alliance du Seigneur est digne de confiance, elle donne aux hommes de la sagesse. Les commandements du Seigneur tracent le droit chemin, ils réjouissent le cœur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ciel, répands ta rosée. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissons-nous.
mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, des siècles des siècles. Amen. Après chaque intention, nous répondons: Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Verbe éternel, dans ces temps qui sont les derniers, tu as pris notre nature. Fais de notre vie une marche vers le royaume des cieux. Seigneur, exauce-nous. Vraie lumière qui éclaire tout homme en ce monde, dissipe les ténèbres de notre ignorance. Seigneur, exauce-nous. Fils unique qui est dans le sein du Père, donne-nous de comprendre combien Dieu nous aime. Seigneur, exauce-nous. Christ Jésus, né comme un homme parmi les hommes, conforme-nous à ton image pour faire de nous des enfants de Dieu. Seigneur, exauce-nous. Toi qui brises les portes de nos prisons, accueille au festin des noces ceux qui mendient leur pain à ta porte. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions en priant notre Seigneur qui vient vers nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens à notre secours avec grande force, afin que le salut retardé par nos fautes soit hâté par la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui reviennent à lui de tout leur cœur.
proche de ceux qui l'adorent. Et sa gloire va venir habiter notre terre.